Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mois terminé dans mon bullet journal et je vous présente donc le mois d'octobre terminé que j'avais placé sous le thème d'Halloween, forcément. Tout d'abord, on se retrouvait avec mon monthly log qui prend la même forme, sensiblement chaque mois. J'utilise des petits doodles que j'ai voulu très sobres. Sur la droite, ma to-do list. Et enfin, mon monthly log classique où je note mes rendez-vous. Sur les pages suivantes, sur la page de gauche, vous retrouviez mes idées vidéo, ainsi que les choses à payer, les choses importantes à faire et à ne pas oublier ce mois-ci que j'avais mis dans des fioles de potions magiques. Et sur la page de droite, il y avait ma gratitude où j'aime dessiner tous les jolis moments du mois. La page suivante était réservée à mon tracker, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas terminé. Et sur la page de droite, les phrases de psychologie positive. Et sur la page suivante, mon bébé était venu cribouiller ma première weekly. Du coup, j'avais dû trouver une idée pour transformer cette double page. Et j'en ai fait une page Halloween vue par les enfants. J'avais demandé à mes enfants de dessiner et de représenter Halloween. Sur la page suivante, je languissais de retourner dans un carnet juste pour faire cette forme de weekly avec une dirt dow. Sur le côté gauche, j'ai noté un calendrier mensuel ainsi que mes buts du mois. Et sur le côté droit, les phases lunaires et ma petite to-do list hebdomadaire. Et ensuite, j'étais venue faire mes dailies sur ces doubles pages, toujours avec le petit doodle mensuel qui me rappelle des moments phares de ma journée. La seconde semaine, même principe. Sur la gauche, je suis venue faire une to-do list, sur la droite, des petits doodles, et enfin, mes dailies qui reprennent, là encore, les jolis moments et notamment un week-end en amoureux qui m'a fait énormément de bien. Voilà pour cette seconde semaine. La troisième semaine, toujours de la même façon. Pour tout vous dire, j'ai vraiment adoré présenter mes weekly de cette façon. Là, je suis venue noter mes derniers préparatifs parce que je baptisais mon petit garçon. Et encore une fois, les phases de la lune. Je suis là encore venue faire mes dailies et illustrer en fonction du déroulé de mes journées. Sur le côté droit, j'avais noté le menu du baptême. Sur la page suivante, je me suis beaucoup amusée. Et du coup, j'ai repris des dessins que j'ai trouvés vraiment beaux sur Instagram. Et j'ai continué à faire mes dailies, comme vous pouvez le voir, avec mes petits dessins. Sur le côté droit, je suis venue noter une idée recette et c'est celle de la tarte à la courge. Je t'invite vivement à la réaliser parce que je l'ai trouvée vraiment très originale. Là encore, je me suis appuyée sur des doodles sur les pages suivantes que j'ai pu voir sur Instagram. Je te noterai en barre d'infos les comptes où j'ai trouvé ces belles idées. Et je suis venue continuer sur la page de droite mes daily. Et pour terminer, je suis venue faire ma nouvelle page du mois de novembre, ainsi que sur la page de gauche, de nouveau des petits doodles sur Halloween. Voilà pour cette courte présentation, j'espère que ça t'aura plu. Je te fais un gros bisou et je te dis à très bientôt. Bye bye.